Pasteur Docteur W.comoé. Merci, Pasteur. Gloire à Dieu, à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Quelque chose vient pour toi. Les cieux seront ouverts sur toi. Grand est notre Dieu, grand en puissance, grand dans ses opérations et grand dans sa manifestation. Et là-bas aujourd'hui, là où tu es présentement, la puissance de notre grand Dieu va agir dans ta vie, en ligne, partout, dans chaque communauté, dans chaque assemblée, dans chaque pays, partout, dans tous les continents. La puissance de Dieu agira ce soir de façon sans précédent au nom de Jésus. Et je vais recevoir. C'est confirmé au ciel, tu es un candidat pour le miracle aujourd'hui. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous avons entendu ce que tu as fait partout dans le monde. Par ce JCK, cette croisade mondiale, nous prions que ce soit que tout miracle dont nous avons besoin déverse sur chacun au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu touches chaque cœur, chaque âme, chacun, et tous les domaines de nos vies reçoivent une touche divine de ta part au nom de Jésus. Nous te louons parce que nous savons que c'est fait déjà. Nos murs de Jéricho vont tomber aujourd'hui. Toutes ces puissances des ténèbres seront dispersées aujourd'hui. Et la gloire te reviendra et les miracles seront pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Si le miracle vient pour toi, un autre. Amen. Que Dieu te bénisse pour vous asseoir. Donc, je considère les Écritures aujourd'hui, Actes chapitre 8. Actes 8, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 32. Quelqu'un lisait les Écritures ce même jour-là. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et le passage qu'il lisait était accompli dans sa vie. Il ne savait pas. Il ne comprenait même pas. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et aujourd'hui, les passages que nous lisons seront accomplis dans ta vie. Toute promesse accomplie dans ta vie. Toute prophétie accomplie dans ta vie. Toute proclamation que nous ferons aujourd'hui s'accomplira au centre de ta vie au nom de Jésus. Je vous ai dit de me donner bon amen avant. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'avait pas compris ce que cela voulait dire. L'explication, l'exhortation et l'application lui sont venues dans le verset 35. Verset 35, on dit, alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, par ce même passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il a ouvert sa bouche et à part de ce même passage qu'il a lu, que tu as entendu maintenant, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Jésus est notre sauveur. Il lui a dit que Jésus est notre sanctificateur. Jésus est notre rédempteur. Jésus est notre substitut. Jésus est le rédempteur tout suffisant. Et Jésus est le guérisseur. Jésus est le créateur qui peut recréer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout autour de toi. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Que ce soir, Jésus est ton sauveur.
Que ce soit Jésus est ton guérisseur. Que ce soit Jésus est ton libérateur. Toute puissance des ténèbres dans ta vie qui combat ta vie, ce soir, Jésus est venu pour te délivrer. Je suis délivré. Je suis délivré. Et je vous parle ce soir du message intitulé « L'agneau tout suffisant pour toutes les âmes malades du péché. » Toute âme malade du physiquement, malade spirituellement, malade sur le plan domestique, malade de toute manière, le Seigneur est l'agneau tout suffisant pour toutes les malades, les âmes malades du péché. Il est venu te délivrer aujourd'hui. Cette délivrance dont nous avons entendu parler, et Philippe lui a prêché cela et lui annonça la, et lui proclama et l'exhorta et lui parla de la bonne nouvelle. Ce soir, ce passage des Écritures sera pour toi l'agneau tout suffisant pour toutes les âmes malades du péché. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la libération personnelle est déterminée à travers l'agneau pascal. La libération personnelle, pas pour une autre personne. Personne ne prendra ça pour toi. La libération déterminée. Dieu nous a franchis. C'est comme si tu as un bouc têtu, qui a une corde au cou et tu l'attaches à un poteau. Et ce bouc attaché là-bas n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à aller là parce qu'il est attaché au poteau. Il y a des gens comme ça, leur vie sont attachés et ils ne peuvent que tourner autour de ce petit cercle et de ce, autour de ce petit poteau. Et la vie attachée comme ça, Christ est venu pour détacher toutes les cordes de ta vie. Pour briser toutes les chaînes de ta vie. Tu n'arrivais pas à aller par-ci, par-là, mais aujourd'hui, la délivrance est venue. Aujourd'hui, la liberté est venue. Personnelle, tu l'auras pour toi-même, déterminé, et pour te libérer. Et tu auras une vie de joie, tu auras une vie d'excitation, tu auras une vie qui est accomplie. Et qui accomplit quelque chose sur la terre. Deuxième point, la libération présente et agréable à travers le Seigneur miséricordieux. Le Seigneur te regarde et il a pitié de ta condition. Ça, c'est une créature venant des mains de Dieu. Et regarde cette créature, regarde-le, regarde-les. Et les larmes à tout moment, le chagrin à tout moment, la maladie tout le temps. Et le Seigneur dit, la créature de Dieu ne doit pas souffrir comme ça. Le Seigneur a vu ta condition ce soir. Et il va manifester de la pitié à ta vie ce soir. Et il va te donner la libération présente. Et la libération agréable. Ta vie va être transformée. Dis, ma vie sera transformée. Confirmé au ciel au nom de Jésus. Premièrement, libération personnelle déterminée. Voyons cela. Jean, chapitre 8, verset 36. Jean, chapitre 8, verset 36. Si le Fils, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils, F majuscule, envoyé du ciel pour briser vos jougs, pour détruire toutes les atrocités de ta vie, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Maintenant, suivez-moi. Ce mot, si. Je dois vous comprendre cela. Ici, voici le Fils de Dieu. Et il t'attend. Et tu es au dehors. Tu es loin. Et il te doit. Et il dit, si,
si le Fils vous affranchit, alors tu entends cela et tu dis, je pense que j'ai besoin de ça aujourd'hui. Je pense que je veux ça aujourd'hui. Tout ce qui s'interpose entre moi et ma liberté, je vais m'en débarrasser. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le si, quand tu étais au dehors, très éloigné, se transforme et devient quand. Et c'est toi qui détermine le quand. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour. Le Fils va m'affranchir. Aujourd'hui, c'est mon temps. C'est mon heure. L'heure de ma libération a sonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Quand? Lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Regardez ça. Si tu étais éloigné et il te parlait et il dit, je suis là, je veux t'affranchir. Et si toi, tu peux venir seulement. Si le Fils vous affranchit et maintenant, tu te lèves et tu es venu au Seigneur. Et maintenant, il te rassure et il dit, quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, tu viens et il te touche. Si tu es aveugle, il enlève les bandes de tes yeux. Si tu étais paralysé, il ôte toutes les chaînes et tous les liens de ta vie. Et tu es libre. Et ensuite, tu te lèves et tu dis, ce n'est plus si, ce n'est plus quand. Le mot est de, puisque le Fils m'a affranchi, tu es libre réellement. Donnez-moi un amen. Si, c'est quand tu étais loin, il dit pourquoi ne pas venir? Pourquoi ne pas décider? Pourquoi ne pas faire marche arrière? Pourquoi ne pas te repunir? Pourquoi ne pas croire à moi? Et tu es encore au-delà là-bas. Si le Fils vous a franchi, c'est ce que je veux. C'est pourquoi je suis venu. Et comme tu es venu, il dit, voici ton heure. Et quand le Fils vous affranchira, alors tu te soumets, tu courbes, tu te soumets au Seigneur et tu dis, oui Seigneur, je suis là, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il t'a franchi. J'ai dit maintenant, il t'a franchi. Et puisque le Fils vous a affranchi, tu es libre réellement. Cette libération est venue maintenant. Les chaînes du péché, il va les briser. Les chaînes de la maladie, il va les briser. Et les chaînes de l'affliction satanique, il va les briser et les détruire de ta vie au nom de Jésus. Voyons Romains, chapitre 8. Et je vous lis le verset de Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Comment est-ce que je comprends cela? Alors, quand il dit la loi, il y a plusieurs types de lois. Laissez-moi vous donner un type. Il y a la loi que si tu jettes quelque chose en haut, la loi va ramener la chose par terre. Vous comprenez ça? Il dit, est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous lancez en haut va revenir par terre. On appelle ça la loi de la gravité. Il y a la loi de la grâce. Quiconque descend de la tour d'orgueil et s'humilie pour dire Seigneur, je viens, je ne serai plus orgueilleux avec si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, se soumet et se donne complètement à moi, au Seigneur, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, je l'exaucerai des cieux. C'est la loi de la grâce de Dieu, similaire à la loi de la gravité.
Tout ce que tu lances en haut doit revenir par terre. La loi de la gravité. Maintenant, il y a la loi de la grâce. Que quiconque, quiconque s'humilie et vient, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux. Je vais te pardonner tes péchés. Ce soir, comme tu viens, tes péchés seront pardonnés. Si tu lances quelque chose en haut qui est petit, ça reviendra par terre. Si tu lances quelque chose qui est en haut, qui est gros, lourd, ça va revenir par terre. Si tu lances quelque chose en haut, que ce soit blanc ou noir, ou rouge, ou bleu, tout ce que tu lances en haut va revenir par terre. Alors, tout péché, quand tu t'humilies, et tu descends, et tu dis, oh Seigneur, je suis désolé, un gros péché, un petit péché, un péché commun, un péché habituel, un péché quotidien, la loi de la grâce, c'est que quiconque viendra au Seigneur, je ne le rejetterai pas. Cette loi sera accomplie pour tous ceux qui viennent. Ce soir, tu vas venir. J'ai dit, ce soir, tu vas venir. Alors, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. M'a affranchi, moi, personnel, m'a affranchi, déterminé, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? La loi du péché est comme une corde qui t'attachait. Et la loi du péché a lié, a attaché un pied. La loi du péché a attaché un autre pied. La loi du péché a attaché une main et a attaché l'autre main. Et la loi du péché aussi a fermé la bouche. Maintenant, Christ est venu t'affranchir. Il vient m'affranchir. Alors, toutes ces cordes qui te liaient, qui te tiraient, te traînaient au mauvais endroit, ces choses sont coupées maintenant. Toutes les choses qui t'amenaient à utiliser tes mains de la mauvaise manière, ces choses sont coupées maintenant. Toutes les choses qui amenait ta bouche à aller dans la mauvaise direction, à aller dans la mauvaise direction, à fumer la mauvaise chose, à boire la mauvaise chose. Cette chose est coupée maintenant de ta vie. Parce que maintenant, la libération personnelle, premièrement à cause de la libération déterminée par et à travers l'agneau pascal. Ça, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a versé son sang pour toi. Et il dit, lorsque je verrai le sang, je passerai pas dessus toi. Ce soir, c'est ton heure. Miracle de salut, miracle de guérison, miracle de délivrance. Parce qu'il y a une libération personnelle et c'est pour toi ce soir. Il y a une libération déterminée, c'est pour toi ce soir. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la libération présente et agréable. À travers le Seigneur miséricordieux. Vous voyez les mots là? Présente, ça dit maintenant même, actuel. Et c'est le jour d'une libération personnelle, quotidienne, présente, qui vient pour toi. Et c'est agréable. La libération agréable. Tu dis, mais prédicateur, je pensais que toute forme de libération est agréable. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Il y a quelqu'un en prison et finalement, on lui a manifesté la miséricorde, on l'a dit, d'accord. La famille l'ont rejeté maintenant parce qu'il est allé en prison. Le seul défi maintenant, c'est que le logement dans lequel il vivait avant, tout a été maintenant pris parce qu'il était allé en prison. Le seul défi maintenant, c'est qu'il n'a plus où vivre, il n'a plus une cuisine où préparer, il n'a plus rien. Le seul défi maintenant, c'est qu'il n'aura plus où trouver des habits, il n'a plus d'argent, il n'a plus quelque chose du tout libre, mais ce n'est pas agréable pour lui parce qu'il n'a plus rien avec lequel il va vivre. La libération dont nous parlons n'est pas comme celle-là.
la libération présente, la libération agréable, et le Seigneur t'a franchi et il t'amène dans l'abondance, il t'amène dans la communion, il t'amène dans l'amour, il t'amène dans la joie, il t'amène dans tout ce dont tu auras besoin dans ta vie. C'est agréable. Et cette libération agréable vient pour toi ce soir. Voyons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, 11. Jacques chapitre 5, verset 11. 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'est-à-dire le résultat, le résultat final. Vous avez vu la libération que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous connaissez l'histoire, l'homme était malade. Dans cette condition. Et il a eu pitié de lui. Dieu a vu ta condition là où tu es présentement. Et il est venu te manifester de la pitié. Il est venu te manifester sa miséricorde. Il est venu aider. En ce moment présent, aujourd'hui, pour toi. Cette libération est venue. Tout ce que Job a souffert. Tout ce qu'il a enduré, comme il priait, le Seigneur a changé la situation. Vous voyez, Dieu mettra un sourire sur ton visage. Le chagrin, la tristesse, les souffrances, les pleurs, rouler par terre, se déambuler, je ne sais où, trouver la tu seras établi. Ta libération présente est venue. Ta libération présente est venue. Parce que le Seigneur a pitié de lui. Le Seigneur aura pitié de toi. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103:3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Voyez cela. Qui pardonne toutes tes iniquités, tout ce que tu as fait. Alors, comprenez le pardon. Quand quelqu'un dit, je te pardonne, cela veut dire que je n'ai plus rien contre toi. Je ne garde plus rien contre toi. Et je ne vais plus te punir pour cette chose que tu as faite. Et vraiment, quand tu as pardonné, toute punition est ôtée. Quand tu as pardonné, tous les fardeaux et les choses pesantes qui sont sur toi, tout est enlevé. Et maintenant, David dit, vous savez quelque chose, mon âme, mon esprit, oh, loue l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Et à part de ce soir, le pardon est venu. La libération présente et le pardon présent, agréable. Quand quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui est important dans ta vie, quelqu'un qui est important dans ta vie, qui peut vraiment t'aider, qui peut te briser ou te faire, et il te sourit et dit, toute la colère est partie, toutes les choses que j'avais contre toi, tout est passé, le ciel te sourit maintenant ce soir. Où es-tu là-bas? Le ciel, Dieu au ciel, Christ au ciel, le Saint-Esprit, Dieu sourit, te sourit ce soir et dit, parce que tu t'es détourné de tes iniquités et tu as cru au seul Fils unique. Combien de tes maladies va-t-il guérir ce soir?
Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur au dos partir? Pouvez-vous imaginer les problèmes dans les yeux partis? Peux-tu imaginer cela? Toute cette paire de sang disparue. Est-ce que tu peux imaginer ça? Cette chose qui ne te permettait pas de dormir dans la journée comme dans la nuit. Et tu te demandais, est-ce que c'est comme ça la vie doit être ce soir? Ta vie ne prendra pas fin dans la maladie. Parce que ce soir, tout fardeau que tu portais, toute douleur que tu endurais dans ta vie, ce soir, ça va partir au nom de Jésus. Vous savez, nous organisons cette croisade tel mois, et beaucoup ont participé. Et comme ils ont participé, ils peuvent maintenant donner des témoignages parce qu'ils ont eu la libération présente. Ce qu'ils ont eu, toi, tu auras. Et ils ont également eu la libération agréable. Et ce qu'ils ont eu, tu vas aussi l'avoir. Cela me rappelle une personne appelée Bethel. Elle était venue et les complications de sa vie, tous ceux en son temps, comme nous avons mentionné le nom de Jésus, toutes les complications ont été ôtées de sa vie. Vous l'avez eu. Laissez Bethel vous parler elle-même. Ce que Dieu a fait pour elle. Merci Bethel. Viens et parle-nous maintenant. Je m'appelle Bethel Tokpe. J'avais des problèmes de santé. Je n'arrivais pas à me tenir droit. J'ai subi une opération. Il y avait des complications après l'opération. J'ai découvert que au niveau de mon lombril était enflé et c'était comme une femme enceinte. Et au bas de mon abdomen, il y avait des douleurs au bas ventre, douleurs partout. Nous sommes allés à l'hôpital. On nous a demandé de faire des... Quand les résultats sont sortis, le docteur n'arrive même pas à comprendre ce que le résultat disait. Quand j'ai vu le ventre de ma fille qui s'enflait comme si elle était enceinte, ça me faisait couler des larmes. Je ne savais plus quoi faire. Mais Dieu merci, quand JCK de Mina est venu, nous avons participé. Après le JCK, nous avons remarqué que l'enflement a disparu. Je crois que cette croisade qui se déroule depuis un moment maintenant, quiconque reçoit le miracle, il ne touche personne. C'est parce qu'ils ont cru. C'est comme ça qu'ils reçoivent leur guérison. J'ai placé ma foi en Dieu que moi-même je vais recevoir ma guérison. La croisade mondiale est venue. Et après la croisade, j'ai cru que j'ai eu ma guérison. Et je répondais toujours Amen, Amen, quand l'homme de Dieu prêchait. Et j'ai cru que j'ai eu ma guérison. Et j'ai vu que mon abdomen était plat, plus de douleur. Et quand le docteur est venu, il m'a vu, il m'a touché et a crié. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis allé dans une maison de prière? Il dit oui, je suis allé à la prière. Et il a dit, c'est quelle prière? Je lui ai dit que c'est JCK qui a eu lieu à Nigeria. Il dit, c'est quel pasteur? J'ai dit que c'est pasteur docteur Doufin Koumoui. Il m'a dit, ah, ce grand homme de Dieu, que Dieu l'a fait pour toi, va te réjouir. Gloire à Dieu. Je veux remercier Dieu parce qu'il l'a fait pour moi. Je suis guéri, plus d'enflement. Le ventre n'est plus ballonné. Je suis vraiment contente. Contente. Toi aussi, tu seras content ce soir. Le Seigneur a eu pitié d'elle. Et le Seigneur est venu ce soir. Félicitations. Parce que le Seigneur aura pitié de toi ce soir. Et tu auras une libération présente agréable. Comme elle. C'était vraiment agréable. Tout ce qui est compliqué dans ta vie, Dieu va tout ôter ce soir au nom de Jésus. Maintenant, pour te montrer qu'il n'y a rien que tu as là-bas,
que le Seigneur ne puisse pas enlever. Laissez-moi vous amener quelqu'un d'autre. Cette personne vient de notre fille bien-aimée, Patience. Elle vous dira elle-même ce qu'était le problème et vous verrez comme Dieu a eu pitié d'elle, le Seigneur aura pitié de vous. Patience, patience, parlons. On m'appelle Patience. Dieu l'a fait pour moi. À la croisade mondiale, j'avais une bosse au dos. J'avais honte de ça. Parce que je portais l'enfant. Je ne pouvais pas mettre ça au dos. J'avais honte. Après, je ne savais pas. Quand la bosse a disparu, c'est ma maman qui m'a dit que j'avais ça. Et j'ai vu ça. C'est moi seulement. Toutes les maladies, c'était moi seul qui avais tout. Après ça, la croisade mondiale est venue. Ils ont dit à la prière, mets ta main, une main, là où tu as le défi, et sache que voici le moment où la puissance de résurrection de Christ va balayer ce problème. J'ai dit, je vais mettre ma main là, et j'ai mis ma main comme ça. Et j'ai mis la main aussi comme ça. J'ai dit, je vais pas mettre ça sur la tête, et j'ai mis mes deux mains comme ça. Toutes sortes d'enflements, goitre, bosse au dos, ventre ballonné. Seigneur, je prie, touche chacun maintenant. Après la croix mondiale, la bosse a disparu complètement. J'ai crié, Jésus! Je sautais comme ça, Jésus! Après ça, glaucome. Le docteur a dit que j'avais du glaucome. Après la croix mondiale, Dieu a après que le pasteur priait, j'ai vu que je suis reparti à l'hôpital. Le docteur a dit que tout est parti. Je remercie Dieu, cet homme de Dieu. Oui, que Dieu a suscité cet homme pour tout le monde. Je demande parce que oui, n'arrêtez pas cette croisade là à cause de moi là. Patience, n'arrêtez pas cette croisade à cause de moi. S'il vous plaît, continuez à faire jusqu'à ce que pour toujours. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu. Bosse au dos disparu. Et maintenant, là où la bosse était, elle met maintenant son enfant. Alors, glaucome, qui conduisait à l'aveuglement, Dieu a balayé cela. Son heure était venue. Ton heure a sonné maintenant. Qui pardonne toutes tes mal, tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. S'il peut ôter la bosse du dos en un moment, en un clin d'œil, il va ôter toute autre maladie, toute autre infirmité de ta vie, ce soir même au nom de Jésus. Pourquoi? 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 Pourquoi Dieu le fait? Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La pitié du Seigneur va balayer tes problèmes ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la libération permanente et perpétuelle pour l'humilité pénitente. Quand tu dis, je ne serai plus orgueilleux, qui suis-je pour que le Seigneur m'appelle et je vais maintenant me rétracter et traîner les pas. Quand tu es pénitent et tu dis au Seigneur, je suis désolé, je viens à toi maintenant, le Seigneur aura pitié de toi. J'ai dit, le Seigneur aura pitié de toi. Et il va te donner la libération qui est présente, déterminée, permanente et perpétuelle dans ta vie au nom de Jésus. La guérison que tu auras ce soir va continuer demain. Elle va demeurer
jusqu'à l'année prochaine. Et tu vas jouir de ta vie de libération totale, libération surnaturelle de tes péchés, de ta maladie au nom de Jésus. Le Seigneur va t'affranchir totalement. 1 Samuel là-bas. 1 Samuel chapitre 7 verset 6. 1 Samuel 7, 6. Et ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant. Ils ont jeûné en ce jour-là. Vous dites, mais pasteur, je n'ai pas entendu ça avant. Je devais jeûner aujourd'hui. Non, bon, Jésus a tout fait pour toi. Jésus a déjà jeûné pour toi. Même le jeûne que tu ne peux pas faire, Jésus l'a fait pour toi. Dis, il a jeûné pour moi. Il dit, il a jeûné pour toi. Et le jeûne qu'il a fait pour toi est plus puissant que toute autre chose que tu pourras faire toi-même. Et ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants, évalua le peuple, corrigea le peuple, les enfants d'Israël à Mitzpah. Et on nous dit dans le verset 8, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. C'est exactement ce que nous faisons ce soir. Le Seigneur va t'affranchir. Il va te sauver de la main de Satan et des Philistins et des mauvais esprits et des puissances occultes. Ce soir, la libération totale est venue pour toi. Verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'agneau de Dieu qui est représenté ici. Et à cause de ce que Christ, l'agneau de Dieu, a fait, et il a été offert, l'offrit tout entier à l'Holocauste, à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Toute prière que nous allons faire ce soir, l'Éternel exaucera la prière. Toute prière que nous ferons pour toi ce soir, l'Éternel exaucera la prière. Toute requête que nous allons présenter à Dieu pour ton pardon, pour ta libération, pour ton salut, pour ta guérison, pour ta délivrance et pour ton affranchissement, le Seigneur exaucera nos prières pour toi ce soir au nom de Jésus. Voyons le verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Tous ces ennemis de ta vie sont dispersés ce soir. Il fut battu devant Israël. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés. Gloire à Dieu. Le péché sera subjugué. La maladie sera subjuguée. Les mauvais esprits seront subjugués. Les choses qui bougent dans ton corps seront subjuguées. Et toutes les choses, tous les plans et les complots des ennemis de ton âme, tout ce qu'ils ont déjà préparé, tout sera subjugué. Les maladies incurables subjuguées. Toutes les palpitations de ton cœur, tout sera tranquille. Il y aura la paix dans ton âme. Il y aura la paix dans ta vie. Il y aura la paix dans ton corps. Alors on dit, tous les jours de Samuel, tous les jours, un miracle, le miracle que tu auras ce soir sera permanent. Le salut que tu auras ce soir sera permanent. La guérison que tu auras ce soir sera permanente. La délivrance que tu auras ce soir sera permanente. Tous les jours de Samuel, tous les jours du Sauveur, tous les jours du Sauveur. Qu'elle dit, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Il sera toujours avec toi pour veiller sur le salut qu'il t'a donné, pour veiller
sur la libération qu'il t'a donnée, pour veiller sur la guérison et la délivrance qu'il t'a donnée. Tous les jours de notre Sauveur, ta libération que tu auras ce soir, permanente au nom de Jésus. Est-ce que tu veux tout ce que Dieu a pourvu pour toi ce soir? Est-ce que tu veux le salut ce soir? Est-ce que tu vois son pardon? Tu veux son pardon ce soir? Est-ce que tu veux sa libération ce soir? Est-ce que tu veux sa guérison ce soir? Est-ce que tu veux la délivrance ce soir? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. C'est le moment où le Seigneur te donnera cette libération présente. Voici le moment où le Seigneur te donnera cette libération personnelle et permanente. C'est le moment où le Seigneur te donnera cette libération permanente et perpétuelle. La tête baissée, les yeux fermés. Comme tu veux maintenant te donner au Seigneur, rappelle-toi, si le Fils vous a franchi, tu es encore dehors là-bas, et il dit viens, viens. Si le Fils, quand le Fils t'a franchi, maintenant, puisque le Seigneur t'a affranchi, tu es réellement libre. Tu lèves une main si tu veux cette libération. Il aura pitié de toi. Il pardonne tout le monde. Il transforme la vie de chacun. Et puisque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, humilie-toi et dis Seigneur, je sais, Christ est mort pour moi. Je sais que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Et c'est le moment pour moi d'avoir cette libération personnelle déterminée, c'est pour moi. C'est le moment pour moi d'avoir la libération présente agréable. Lève alors ta main et dis Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je me détourne de toutes mes iniquités. Je me détourne de toutes mes transgressions. Seigneur, je viens, pardonne-moi. Et en ce moment, le Seigneur va te pardonner. Comme tu lèves ta main, mets-toi debout. Si tu lèves ta main, lève-toi pour cette libération, pour ce pardon, pour ce salut, partout où tu es. Lève ta main maintenant et dis Seigneur, je viens. Si le Fils vous a franchi, quand le Fils vous a franchi, puisque le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre de toutes ces choses qui te liaient dans ta vie. Toujours debout, je prie pour toi maintenant. Tous nos amis, tous nos frères et sœurs en ligne, la même chose, votre libération vient maintenant. À la radio, à la télévision, votre libération vient maintenant. Dans n'importe quelle assemblée vous êtes, et vous êtes connecté à cette croisade mondiale, votre libération est venue. Levez la main et levez-vous. Et la libération, le salut, est pour vous maintenant. Nous prions ensemble. Soyez présents et le Seigneur va exaucer toute prière qui sera faite pour vous. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous savons que tu nous as invités par le Fils, notre Sauveur. Et Seigneur, tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'amène chacun ici, tous ceux qui lèvent la main, qui sont debout, qui veulent le pardon, la libération, le salut. Et quiconque partout, qui demande la même libération et le pardon et le salut, maintenant même, soit affranchi les de leurs péchés au nom de Jésus. Ôte la culpabilité du péché. Ôte la condamnation du péché de la vie. Seigneur, je prie, en ce moment, que la libération et le pardon et le salut viennent à chacun maintenant au nom de Jésus. Que la joie du salut vienne dans chaque cœur et la libération qui vienne avec le salut, que cela vienne à chacun maintenant. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Tu as écouté nos prières. Tu as sauvé les âmes. Tu les as affranchis. Nous prions que le témoignage de l'Esprit de Dieu soit dans chaque cœur maintenant.
Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là et ils vont s'occuper de vous rapidement. Ils vont prendre vos noms à cause de ce que le Seigneur a fait pour vous et en vous. Et en ligne, partout où vous êtes, la même chose. Prenons ces noms rapidement pour voir ce que Dieu a fait. Je suis libre et pardonné. Confirmation dans ta vie au nom de Jésus. Merci pour la décision que vous avez prise. Vous venez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Toujours debout là où vous êtes. Alors, dans nos différentes nations, nos pays, dans nos localités, sur le champ de croisade à plein air où vous êtes présentement, vous avez levé votre main, que les conseillers s'occupent de tous ceux-là qui ont levé leurs mains. Donnez-leur la fiche de décision. Alors, ne vous asseyez pas, restez toujours debout. Nous voulons vous aider. Ils vont vous donner une fiche que vous allez bien remplir. Si vous ne savez pas écrire, on vous aidera à écrire. Nous avons besoin de vos informations pour vous aider dans votre nouvelle marche, votre nouvelle foi avec le Seigneur. Faisons-le rapidement. Donnons-leur tout l'encouragement. Aidons-les à remplir leur nom et leur adresse correctement. Et vous qui êtes au dehors, n'importe où vous êtes. Occupons-nous rapidement de nouveaux convertis pour que nous puissions les aider dans leur nouvelle marche. Vous qui êtes en ligne et qui avez donné votre vie au Seigneur, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'en fiche, cliquez dessus et remplissez-le. Faites-le. Remplissez, cliquez sur le lien et vous verrez un lien va un formulaire va se présenter et remplissez les informations demandées. Et c'est à travers cela que les autres matériels pourront vous être envoyés. Ça vous aidera dans votre nouvelle foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Occupons-nous donc de tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Occupons-nous rapidement d'eux. C'est pourquoi nous sommes là. Pourquoi l'homme de Dieu a pris tout le temps
pour conduire ces gens. Coopérons et faisons-le joyeusement. Impliquons-nous et aidons tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Vous écoutez la parole, il y a une grande joie au ciel. Le Seigneur, le serviteur de Dieu, joyeux. Les âmes ont répondu au message que Dieu lui a donné pour nous. Coopérons et faisons-le et amenons ces gens. Et vous qui venez de venir, il y aura une adoration spéciale demain au lieu principal. Et vous tous, vous devez être là. Et à la fin de l'adoration, et nous voulons vous donner l'attention. Message spécial. Il y aura donc un banquet spécial pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est le dimanche 6 novembre. Plus de détails vous seront envoyés. Merci beaucoup. Le banquet donc aura lieu pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur le 6 novembre. Tous nos convertis. Faisons-le. Le ciel se réjouit. Les multitudes ont répondu. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, si un conseil ne vous a atteint, n'importe où vous êtes, les conseillers sont là. Gardez vos mains levées. Nous voulons vous aider. Il y a la joie au ciel pour la décision que tu as prise. Thank you.
Gardez toujours vos mains levées si vous n'avez pas encore, si on ne s'est pas encore occupé de vous. Le Saint qui les a touchés, qui les a attirés à lui. Demain, dimanche, il y aura le culte d'ensemble. Nous serons là à 7h30 pour la prière. Et le message sera prêché partout, partout dans le monde. Le message ira très loin. Nous serons rassemblés demain. Il y aura le culte d'adoration demain. L'homme de Dieu que vous venez d'écouter ce soir, demain sera un autre moment de festivité où le serviteur de Dieu va encore prêcher la parole de Dieu, la parole que Dieu lui a donnée. Venez, vous participez à l'adoration. Invitez vos amis, invitez vos voisins, amenez-les. L'homme de Dieu revient à patienter. Il a dit au commencement du message, il a dit, la libération surnaturelle, miracle pour toi, avec ton nom attaché, soyez en prière, en espérant ce que le Seigneur fera dans votre vie. Conseillez partout, faisons rapidement. Faisons-le rapidement pour permettre aux serviteurs de Dieu de venir pour faire la prière de miracle que Dieu lui a donnée. Il est déjà debout, il est prêt. Il est prêt pour la prière de miracle. Allons-y rapidement. La prière de miracle pour tout le monde. Si vous avez fini, n'est pas tout. Soyons en esprit de prière pour la suite. Comme l'homme de Dieu vient pour envoyer la prière de miracle ce soir. Gloire à Dieu! Dieu a exaucé ta prière. Il a effacé tes larmes. Ne pleure plus. La guérison est venue. Ne pleure plus. Ton miracle est venu. Voilà ce qu'il a fait pour les autres.
Même il a ôté la bosse, glaucome, les complications, il a tout enlevé. C'est le moment de ta libération, guérison personnelle et ton miracle personnel au nom de Jésus. Levons-nous, tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème ou le défi. Hommes, femmes, garçons, filles, croyants et tout le monde. Le Seigneur va te toucher maintenant. Quand nous mentionnons le nom de Jésus, ce miracle va descendre sur toi immédiatement. Et quand nous entendons le dernier Amen et tu t'examines, tu verras que la libération, la délivrance, la guérison, le miracle est là. Rappelle-toi, lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème. Le miracle vient pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne peut faillir et tes promesses ne peuvent faillir. Et tu donnes une libération présente, agréable à tout le monde. Nous demandons maintenant, Seigneur, tout ce que Christ a acquis sur la croix du calvaire, apporte-le à ton peuple et guéris-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu touches le cerveau, cet esprit de sanité, folie. Je vous commande maintenant, sortez au nom de Jésus. Je prie que tout enflement, goitre, fibrome, bosse au dos, éléphantiasis, hernie, toute forme d'enflement, toute partie du corps, j'envoie la puissance de Dieu sur toi maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cet enflement partout dans le corps disparaisse maintenant. Je prie, Seigneur, que toute maladie incurable, cancer, soit guérie au nom de Jésus. Cette perte de sang dessèche maintenant au nom de Jésus. Hémorroïdes, soit guéri au nom de Jésus. Asthme, je prie que l'asthme soit ôté, guéri maintenant même au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toutes les douleurs dans la poitrine, les douleurs au dos et les douleurs dans les os, Seigneur, je prie, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Toutes les crampes dans le corps, partout, et il ne peut plus rien faire. Je prie que ces malaises dans les muscles, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce que ton peuple veut, toutes leurs larmes, dessèche tout maintenant. Ôte leur tristesse et toutes les douleurs, les plaies, ôte-les, guéris-les au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que les problèmes avec lesquels j'étais né, et ces problèmes sont là depuis la naissance, je prie que la touche du Seigneur vienne sur eux maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Ces oreilles sourdes, je prie que ces oreilles sourdes souffrent, commencent à entendre parfaitement maintenant au nom de Jésus. Les langues muettes, parlez maintenant au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, Seigneur, je prie, touche les yeux aveugles et fais-les voir clairement maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, je prie que la puissance de Dieu, la force du Seigneur, vienne sur ses yeux, ses pieds paralysés maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Arthrite, disparaissez. Et tous les os cassés, brisés soient maintenant réparés. Les impossibilités de votre vie soient rendues possibles maintenant au nom de Jésus. Seigneur, confirme le miracle partout. Guérison partout. Délivrance partout, libération partout. À gauche, droite, au milieu, devant, derrière, partout, dans toutes les nations, dans le monde entier. Miracle partout maintenant. Au nom de Jésus, nous prions.
Amen. Ce amen final a déposé le miracle dans ta vie. Examine-toi maintenant. Ton miracle est avec toi personnel maintenant.